Eh bien, salut à tous, salut à toutes. Vous êtes bien avec Cartman pour un petit let's play sur Record. Désolé de la coupure de la vidéo précédente, juste avant le boss. D'ailleurs, c'est de là que je vais reprendre. Il y a eu une coupure sur Twitch, donc on va faire cette partie en deux parties. Donc, on en était là. On se retrouve après ce petit téléchargement, enfin on se retrouve pas vu que je reste avec vous pendant le téléchargement. En passant, un gros big up à la chaîne de mon poteau Quetzerti890M et le club 890XGame que vous trouvez sur Facebook et le site internet aussi. Dans Club 890MXGame. Un big up à tous mes followers, que ce soit sur YouTube, Facebook. Et on va découvrir ensemble le pylône 512. Voilà. Toujours avec mon petit toutou robot. Alors. Voyons ce qu'il y a par là. D'abord. Peut-être regarder la carte, je dois aller là. Ok. Par ici. Ah si ça va suffire, je crois pas, il doit m'en manquer un. Ouais, c'est bien ce que je... Ah non, ça s'ouvre. Et voilà le vilain méchant qui nous avait laissé mort sur le carreau lors de la dernière fois. Enfin, dure bataille que je vais devoir refaire. Le dernier orbe est dans la tête de cette bestiole. Il me faut le dernier orbe, absolument. Vous avez vu dans la vidéo précédente, comme j'ai eu les deux autres. Les trois autres, pardon, parce qu'il en faut quatre en tout. Alors où il est. Déjà que je ne le vois pas, ça commence bien. Alors le but est de descendre sa vie jusqu'au trait blanc. On va essayer, déjà, ça serait bien. Ça descend, encore un carré. Attaque mon chien. Le méchant, pas évident à battre celui-là. C'est-à-dire que c'est le premier. Bon, les petits, ça va, c'est différent. Le seul moyen de le battre est d'arracher son orbe. T'as pas voulu me la donner? Bon, il crèvera. Attaque. Mon chien tout. Allez, attaque, mec. On va prendre l'arme rouge. Donc de toute façon j'ai pas encore le cristal jaune. On va essayer, attaque. On est presque à la barre. Ah, mon arme est déchargée. Normalement, je pourrais lancer une attaque. Allez. Non, c'est rouge. Voilà. Et voilà qui est fait. Voilà, notre dernier orbe. On retourne à la salle de contrôle. Et oui, on retourne tout de suite à la salle de contrôle. Je prends juste ces petits bonus. Pourquoi c'était pas si compliqué en fait? Quand le cap devient rouge, vous relâchez. Comme si un poisson mordait un appât. Des fois, il faut laisser du mou. C'est le même principe. Ça, c'est des petits bonus. Ok.
je redescends. Donc, théoriquement, je dois aller au pylône 72. Donc, c'est tout droit. Et à gauche. Ah oui, ouais. J'ai déjà ouvert la porte en fait, j'ai pas besoin de faire ça. Ça, je prends, merci. Alors, après, on place l'orbe depuis ici, je pense. Activer le pylône. Ah. Quand il y a action, il y a réaction. Tout est ok. Le pylône fonctionne à nouveau. Et si on sortait contempler notre œuvre? Ah bon? Et qu'est-ce que ce sera? Dehors, hop, hop. Alors, par où sortir? Sortir. Par là. C'était pas un bonus par hasard. Non. Fausse impression. Ça s'en est. Je prends. Qui est pas d'accord avec ce que je fais, tant pis pour lui. Je crois que c'est bon. Non! Vous y croyez à ça? Moi pas. Oh, c'est pas vrai! Je me fais rabattre par une mouche volante! Ah, hallucinant! Allez, chargement, non. Malgré la mise à jour, n'ont pas été vraiment plus courts. Hein. Ils avaient dit qu'ils faisaient une mise à jour. Certes, elle a eu lieu, mais les chargements n'ont pas l'air vraiment plus courts. Bon. Maintenant, je te bute direct, espèce de scarabée. Puis il y en a sûrement un autre. Quand il y en a, il y en a encore. Seulement, je vois pas où il est. Là. Ça sert ça, je sais pas trop. Carte, me dit-il. Moi, je pense que c'est plus objectif. C'est plus. Oui, c'est tout droit, effectivement. Puis après, on monte. On se retrouve exactement au même endroit, hein, ce que je vois, sauf que là on tourne à droite. Et après. Oui, ça fait droite et gauche. Ouais, c'était bien par là-bas que je voulais aller et que j'avais été précédemment. Donc, on va encore contrôler. Non. En fait, c'est plus haut. C'est plus haut quand je vais là.
Je vais aller à droite. Après. Peut-être qu'il faut faire un peu de grimpette, c'est bien possible. Pour ça, il faut que j'aille plus haut alors. Allez plus haut. Comment j'avais fait la dernière fois? C'était peut-être pas trop compliqué pourtant. Carte, tout droit, c'est pas ça. Oui, c'est tout en haut, mais. Donc ça fait cette direction. Non, c'est bien ce que je pensais. Je crois pas qu'on peut aller là-haut comme ça. Mais depuis là, peut-être que il y a une possibilité petite. On va essayer. 1, 2. Et voilà. C'était pas une possibilité si petite que ça en fait. Alors après je dois aller longer ça. Ça j'aurais pu le faire à pied. Oh, que je comprenne bien. Ici, c'est bloqué. Bon. Donc théoriquement, en fait, le but c'est d'aller en face. Allons-y. Et ben mince, c'est encore raté. Donc ce sera peut-être par là-bas. Oh, le but. Tiens, je n'avais pas vu cela. Tant mieux. Alors, retourner. Depuis là, est-ce qu'on peut aller? Non. Bien ce que je pensais. Donc, si on ne peut pas aller là. Question. Et ici, c'est bizarre des fois, on arrive sur l'autre sauvegarde, je suis bien plus loin et j'ai dû faire ça dans un état rapide ou second pour ne plus me rappeler où dois-je aller. Attends. Non, je sais que je dois aller là, mais comment atteindre la porte? C'est ça le hic. Juste voir un truc encore. Oups. Ici. Ça c'est branché, tout est bon. Il me dit d'aller à gauche. Impossible d'aller par là. Impossible. Pourtant c'est là que je dois aller, je le sais. Je suis sûr, mais on va quand même aller voir par là. Bah oui, mais c'était ça en fait. Ah là là. Je la voyais pas si près. Tiens. Quelque chose. Fait bouger la terre, ça tremble, ça va peut-être s'écrouler. Dois-je quitter cet endroit lugubre? Oui.
Encore un long téléchargement, car ils sont toujours pas rapides malgré la mise à jour. Et toujours pas ça. Pour le bassin de la solitude. Un jeu qui se vend sur le marché, qui est exclusif, bien sûr, à la console Xbox One. Une nouvelle licence, ça fait du bien de voir que quand même il y a de nouvelles licences et toujours pas de réédition, toujours des mêmes jeux, des relissages, etc. Enfin, quelque chose de neuf, même si dans le futur il y aura sûrement mieux. C'est quand même un joli petit jeu. La tempête a déplacé tout un tas de sable. C'est bizarre. J'ai le signal d'une ancienne balise d'urgence de l'autre côté de la porte. Il devait être bloqué par la tempête. Viens, Mac. On va aller voir ça. Ceux qui s'éveillent doivent mourir. Ouais. Pas l'air gentil, lui. Donc je pense qu'il va me causer des petits problèmes. La tempête de sable a eu lieu et vient de modifier votre environnement. Vous pouvez désormais vous aventurer hors des sentiers battus. Rendez-vous dans les donjons cachés, où de féroces ennemis gardent les émeutes, les trésors, etc. Dans plus d'expérience de matériaux en orbe, améliorez vos compagnons à l'établi. Ok. Zone grouille d'or votre néga. Avant d'aller plus loin, rentrons à l'explorer. J'améliorerai ta structure. C'est une bonne idée. Donc, avant de clore ce petit Twitch, on va vous montrer comment on peut, hey, Violette. Grâce à Violette, voyager rapide et aller à l'explorer qui se trouve. Bonne question. Explorer de Joule, j'étais dessus. Oui, je veux aller là. Tchoup! Maintenant, je vais essayer de réparer mon toutou mécanique et de le rendre plus offensif, plus défensif, plus costaud et lui donner une meilleure gueule. Pour un chien, on dit gueule. Face, tête, enfin on s'est compris quoi. Nous voilà arrivés dans le vaisseau spatial. Alors, continue, ça c'est les transferts que j'ai eu d'appareils. D'accord. Ça c'est tous les points que je vais pouvoir lui donner. Boire des points d'attaque, tralala. Bon, alors. À l'établi, tout de suite, recherche de plan. Pour un chien, qu'est-ce que je veux? Je veux le plan de ses pattes arrière. Et voilà le travail. Ça c'est déjà bon. Je veux pas ça, je veux pas ça, je veux ça, c'est quoi ça? Bingo. Bon, on prend le chien, on va lui changer quelque chose. Alors, prendre ça. Dans là, c'est ça qui est le meilleur. Ici, on met ça. Pour la tête, j'ai pas une tête. C'est dommage. Et sauvegarder. Enfin bref, on peut mettre une chien, une tête. Aux chiens différentes qui ressemblent nettement plus à un toutou, mais je n'ai pas débloqué sur cette partie à ce que je vois. Encore regarder dans les plans de tête, parce que peut-être qu'il me trouve
Il m'a trouvé quelque chose. Mais est-ce la bonne tête? Alors, non, visiblement, elle est plus puissante. Mais c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. 6, 3, 8. Orbe avant, cinétique rouge, blazique. Oui, c'est ça qu'on va mettre, et ça aussi. Sauvegarder. Ah oui, il y a encore un autre truc que je devrais faire ici, théoriquement. Je peux plus. C'est bizarre. Bizarre ça. Ah si, je me disais bien. Il y a encore une fusion d'or justement que je voulais voir un truc. Mac, alors on attaque, on va laisser. Vous voyez les petits points en haut, les points rouges sont les points d'attaque. Les points jaunes de défense et les points bleus, les orbes bleus, énergie. Donc on va le charger un maximum pour qu'il soit un agréable compagnon en attaque, en défense, en puissance, etc. Ah oui, il faut monter. Après, vous aurez d'autres robots avec vous. Vous commencez avec un, mais il y en a d'autres. Je crois qu'en tout, vous pouvez en avoir quatre. Voilà, là ça va plus vite. On voit au compteur que ça va très vite. Bon, voilà. Accepté. Et dans le coffre. Les matériaux figurants dans le coffre. Bon. Broyé, combiné. C'est vrai qu'on peut faire des combinés, mais je sais pas encore vraiment. Ok. C'est pas possible avec tous, il faut apprendre ce genre de... Voilà, ça va avec ça. Non, j'ai pas de... J'en avais pas. Pourquoi j'ai appuyé sur... Bon, on regardera ça plus tard. Donc, maintenant on va ressortir et aller voir ce signal de détresse. Toujours des chargements un peu longs. C'est ça que je reproche un peu aux jeux. Et vers la fin, il y a beaucoup de bugs, des succès buggés, des choses que Microsoft devrait patcher. Et j'espère qu'ils le feront. Ils doivent le faire. C'est pas un espoir, c'est un ordre. On a payé un jeu. Pas pour avoir un jeu buggé, mais pour avoir un jeu correct. Alors, on reprend depuis là. Je vais quand même contrôler un petit truc sur la carte. Le signal de détresse, ça c'est moi. Où il est le signal de détresse, en fait? Il est par là. Bon, on va y aller. Recherche de signal de détresse, let's go. Ah, une pierre jaune. Donc, pierre jaune égale bonus.
Oh non. Alors, voyons, voyons. Je vais chez Jabba. On dirait la porte de chez Jabba de Hutt. D'ailleurs, la planète, on dirait Tatooine. Sauf que c'est pas Star Wars. C'est record. Encore un chargement. J'espère qu'il sera pas trop long, celui-ci. Oui, bah il est quand même long. Oh là là, faut prendre son temps avec la technologie 2016. Non mais c'est pas tous les jeux qui sont comme ça, heureusement. Mais hormis les téléchargements, il tourne bien, hein, c'est quand même un bon petit jeu. Pour 40€ ou 44€, c'est pas la mer à boire. Alors, on part en quête. Je vais quand même revoir un truc. Donc je me présente par là. Le signal de détresse, c'est ce truc. C'est l'objectif, exact. La plus. Je peux jamais faire plus que 3 combos vu qu'ils viennent toujours m'attaquer par trio. Le reste, hein? Bizarre. Hein? Venez. Alors. Merci. Donc, me voilà arrivé au signal de détresse. Non, pas directement, je m'étonnerais. Observons, carte. J'en suis encore loin. Le bleu, je crois. Ah non, il est rouge ou il est. Je sais pas, il me tire pas dessus. Comment puis-je savoir? Aïe! Ouais, en tout cas, il est pas gentil, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Donc, on reprend de la vie, on repart. Toujours dans le sens. Il y en a d'autres, d'ailleurs, qui m'attendent. Bon, il faudrait que sa vie bleue passe en dessous. Voilà. Non. Je tire. Non. Hop, c'est bon. Quand le fil devient rouge, lâchez. Lâchez tout, sinon la corde casse. Après, là, il me faut l'arme rouge. Attaque le chien. Moi, je m'occupe de celui-là. Et voilà. Encore une orbe. C'est très bien. On peut continuer l'aventure. Les tempêtes de sable sur Terre ne sont rien comparées à celles d'Alter Eden. Sur cette planète, les tempêtes peuvent durer des jours, soulever d'énormes quantités de sable et transformer complètement l'environnement. Ouais, d'accord.
Alors, je pense que s'il dit ça, c'est qu'une tempête de sable s'annonce. Donc vaut mieux déjà se débarrasser de ce machin volant non identifié. Et trouver vite la sortie de cet endroit. Hop là, merci. Oui, il faut que j'arrive à escalader. Ça, je prends. Merci. Ah oui, d'accord. Où dois-je les mettre? Vers la porte, je pense. Pas assez bon comme saut, Jude. Hey, Jude. Don't make me bad. Alors, attends voir. Si je prends à gauche, 1, 2, et boum, c'est bon. Après, je prends à droite. Hop. Après, dois-je revenir à gauche? Oui, je vais te mettre le boulon. Il va où le boulon, en fait? Je sais plus si je dois partir carte. J'ai besoin de la carte. Oui, c'est bien par là. Je dois partir là, par là. Donc, 1, 2, on va passer tout en haut. 1, 2, il n'y a rien encore. Je voulais quand même aller voir là-bas quelque chose. Est-ce que le boulon il se range? Non. Oui. Donc c'est bien là que je dois les mettre. 1. Il en reste 5. Alors les autres, c'est pas trop compliqué à les avoir si je me rappelle bien. Oh mince. Dirais-je plus. Crotte. Flûte cacaboudin. C'est pas une vidéo de Kiku, non. Mais bon. Vous voulez pas être trop grossier. Tiens, quelque chose d'intéressant. Encore, hein. Très bien. Allez, mets-toi en place, mon petit. Ok. On va chercher les autres. Alors, voyons. Donc, à chaque passerelle, on a le droit à 1, 2 sauts plus un dash. Alors, allons-y. 1, 2. On passe. 1, 2, on s'arrête. Ici. Ah, je suis obligé de le ramener. Je dois le ramener ou bien je peux en. Ah oui, d'accord. Mais ça, il se reconstruit normalement. Non? Oui, non? J'ai l'impression, mais oui. Bon, on va essayer d'aller voir ça. Bon, j'ai deux petits. Prends ça aussi puisque je suis là. Pas grave, ils me suivent. 3. Magnifique, 3. Bon, bah maintenant, on va chercher. Oh là! Ils me suivent toujours, les trois petits, là? Oui. Ah, mais non! Les trois petits sur la bonne porte. Tiens. Ça, je prends aussi. Merci. Oh là là! C'est pas vrai, je vais aller trop vite peut-être pour ça. Voilà. Mais c'est pas vrai! Il y a des trucs des fois un peu bizarroïdes. Bon, cette fois-ci, on va partir en diagonale peut-être. C'est peut-être mieux, oui.
Voilà, et deux, trois. Il en manque plus qu'un, c'est ça, en fait, après. Ok. Bon, on va chercher le dernier. Pas grave, ça. Je pense que le dernier doit être par là, n'est-ce pas, le chien? Non, j'ai pas. Pourtant, j'aurais pu. Mais j'ai cru que j'étais dessus. Et j'ai raté mon coup. On recommence ça vite. Allez, pousse-toi, le chien. Un, deux. Voilà. Après, le but ce serait d'aller en face. Et pour aller en face, je crois que je suis obligé de tenter le grand saut. 2 et 3. Par là, que dalle, donc c'est bien dans cet antre que je dois me diriger. Creuse, Mac. Allez, ouverture. Alors, caverne de la ruée. Ouh là 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 là, je connais le truc. Alors là, ça devient vraiment un jeu de plateforme. Et il vaut mieux réussir dans le temps imparti si on veut avoir tous les coffres. Mais c'est pas grave, sinon on peut le recommencer autant de fois que l'on veut. C'est un défi. Comme il y en a beaucoup dans le jeu. Et pour le moment, il y a même un bug au deuxième défi où on peut arrêter le temps. Donc c'est trop facile. Oui, je veux pas vraiment me... Attends. Dans quelle direction suis-je venu maintenant? Il me donne un peu... C'est par là le défi, d'accord. C'est bien ce que je pensais. Bon. D'autres, est-ce que j'en ai raté un autre? Le temps, il y a du temps au 2028. Hop. Alors lui, il va venir là. Hop là. Maintenant, il faut attendre qu'il revienne pour être sûr de le ramasser. Je perds du temps, grouilleux, toi. 2 et voilà. Et après, tu l'as eu, non? Ça me paraît vachement haut, vachement grand comme trou. Puis-je le faire, sûrement? Ouais, justesse. Après, oh là là, c'est pas fini, hein. Oups. Hop là. Oh.
Hop là. Allez, viens là. Non. Oh, j'ai failli trépasser. Attention. Waouh. Et après, allez, non, comme quoi c'est pas si facile de le faire, il reste 14 secondes, c'est foutu, on peut dire. Voilà, c'est foutu. Bon, je le fais quand même pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a au bout de ça. Il va m'emmener à gauche. 1, 2. Ouf. Je prends ça. Alors. Et puis après, il y a encore une autre porte. Oh oui, non, non, mais vous vous rendez compte, en 3 minutes, faire tout ça, sans se casser, il faut pas tomber une fois, il faut faire ça vite. Donc, ouais, ça fait barrage. 2, j'ai passé, mais j'ai sauté trop tôt, donc, plouf, dans l'eau. Enfin, dans l'eau, ça aurait été de l'eau, ça m'aurait fait moins mal. Bon, on y va. Ouais, un coup ça va alors. Non, quel idiot! Bougez! Au moment, il fallait pas bouger! Oh, j'étais presque dessus. Non, mais ça va pas du tout là. Pas possible. Bon, on va se concentrer un peu. Bon, maintenant il faut passer. Je vais passer en diagonale, c'est mieux. Ouais, elle veut pas me laisser passer. Oh non! Pas de bol, hein. C'est dur de... Bon, heureusement, des fois, on voit le rond jaune quand on saute, mais des fois on vraiment ne le voit pas et c'est trop tard pour se rétablir comme là maintenant. Mais mieux c'est d'avancer par un saut pour les petits. Un, voilà. Deux, un saut. Non, presque. On va y arriver, hein. Désolé. Il va pas me faire tout recommencer quand même. Si, si, si. Il va pas se gêner, hein. Non, j'étais dessus. Oh, vraiment, les trucs de plateforme, c'est pas mon truc.
Oh, quand même. Oh, voilà. Si j'avais fait ça dans les temps impartis, les trois portes seraient ouvertes. Bon, les autres portes, c'est des coffres, des pièces, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse le plus, théoriquement, c'est la porte première. Comment je dois l'ouvrir déjà, cette crétine? Quoi, j'ai si mal joué que ça que je peux pas ouvrir des portes. Ce serait stupide d'arriver là sans ouvrir des portes. Comment faire déjà? C'est pas en tirant là-dessus, mais là-dessus. Ah, c'est pas ça. En fait, je suis arrivé là pour rien du tout. Ce serait quand même bizarre. Cette porte-là, normalement, devrait s'ouvrir. Bon. Peut-être que le chien doit trouver quelque chose. Allez, tu vas trouver. Te dit quelque chose. Ça a pas l'air. Cherche. Creuse, Mac. Regarde bien par ici. C'est quand même bizarre que je reste coincé là. N'est-ce pas le chien? Mac, ouvre-moi cette porte, c'est pas vrai. Pas le chien. J'ai dû oublier quelque chose là-bas. Ah, moins que... Peut-être que... Peut-être que c'est en bas. Il fallait se rappeler. Bon, les trois autres portes, c'est vraiment si vous avez de la chance, normalement. C'est quoi ça? Et voilà. Encore une orbe de puissance. Et bien voilà, pour ce let's play, on arrive au bout. Je vous ai montré un petit peu l'avancée. Ça fera la partie 3. Voilà, voilà. Donc, je tenais à remercier tous mes followers, ceux qui ont apprécié le jeu, ceux qui ont suivi, ceux qui donneront leur avis sur YouTube. Il y en a sûrement qui joueront bien mieux que moi. Parce que le petit passage là, avec toutes les plateformes en 2 minutes et des poussières pour ouvrir les 3 coffres, c'est pas si évident. Va voir. Donc voilà, c'est sur ce petit let's play que je vous dis à la prochaine. C'était Cartman. Amusez-vous bien et bonne journée ou bonne soirée suite à l'heure où vous avez vu ce petit court-métrage. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.